Ah bah qu'est-ce qui s'est passé? T'es devenu néo-nazi? T'es devenu... Hein? Bah est-ce que t'es devenu néo-nazi? Parce que Non. Ou alors est-ce que tu joues une boule de billard dans ta prochaine pièce? Une boule de billard? Tu joues une boule... Non plus. Ah ou alors pour les femmes iraniennes, t'as essayé de faire Les quelque chose femmes pour les... iraniennes? Bah tu suis quand même l'actualité sur l'Iran, non? Oui. Hein? Tu suis pas? Alors, t'as fait quelque chose pour les femmes Ah iraniennes, non, c'est ça? je suis pas. J'y ai pensé. Ah ça c'est bien! À faire la vidéo, mais je suis pas une femme et je suis pas iranienne et il y aurait aucun courage à le faire. Non, là, c'est parce que je m'étais dit que je me raserais quand on serait plus embêté Ah bah oui. par le Covid. Et il se trouve qu'en dépit de certains cas, mais je n'écoute plus les médias non plus, bon, il semble que je n'ai pas eu à porter le masque partout ni été forcé de me faire vacciner. Et puis accessoirement quand même, je paume les cheveux et il y a deux solutions. Soit tu les as très longs pour tenter de cacher les petits Bon. trous, soit tu assumes. Et t'as pas les moyens d'aller faire du tourisme capillaire en Turquie non Oui, plus. tant que t'as pas les moyens d'aller en Turquie pour te faire mettre des implants. Oui, mais Bon, là, voilà. j'ai une question. Pourquoi t'as pas appelé cette vidéo Tête de gland, du coup? Parce que ça... Pourquoi j'ai pas appelé cette vidéo Tête de gland? J'en sais rien. Je pourrais. Mais derrière le rire, on sent un petit drame quand même sur la perte Bah oui, c'est un peu des... chiant de perdre les cheveux, mais bon, qu'est-ce que je te dis? Je choisis pas ma génétique. Hein. Voilà. À tous les chauves comme moi, courage avec votre totem intérieur si vous taquinez là-dessus. Et puis aussi un petit message d'encouragement à plus que les femmes iraniennes. En fait, à toutes les femmes dans le monde. Oula, je sens qu'on va redevenir sérieux. Parce que la société, la pression du patriarcat. Moi, je voudrais un monde où les femmes, elles puissent quand même être considérées comme jolies. J'ai déjà vu des femmes complètement rasées, que je trouve jolies. Où les femmes, donc, puissent être considérées comme jolies, même si elles se rasaient la tête, même si elles étaient avec le physique qu'elles choisissent d'avoir. Cette pression qu'on leur met. Alors, ouais, je veux bien être, pardon, une tête de gland pour des messages comme ça. Même si je peux pas m'empêcher de penser qu'ils auraient été mieux de livrer les messages comme ça si t'avais pas une tête de gland. Mais bon, c'est visiblement comme ça qu'on est. Enfin, que tu es. Ou alors, c'est une allégorie de ce que la planète risque de devenir si on continue à être con et être dominé par le capitalisme à outrance. Et les marchés financiers qui vont finir de zigouiller cette planète. Pourvu qu'on finisse pas tous en tête de gland.